Magnifique, magnifique. Il y a pas mal de figures neuves ce soir. Ça fait bien plaisir de voir les anciens. Et puis, quant aux nouveaux, bien, on va s'accoutumer à les voir. Hein? Ça fait plaisir. Bon, maintenant, là, il faut situer notre cours. Nous sommes rendus exactement ici. Nous avons étudié depuis 2, 3 ans au moins une introduction générale, ensuite l'itinéraire des commençants, les trois premières demeures de Sainte-Thérèse. Ensuite, nous avons fait une longue introduction au deuxième âge de la vie spirituelle, une bonne dizaine de cours très importants qui ont passé là. Puis ensuite, le cheminement spirituel, plus spirituel du deuxième âge, quatrième et cinquième demeure. Au mois de juin, là, ça se terminait par un cours sur l'union à Dieu, l'union passive, l'union à Dieu. Ici, le cours 43e. Il nous reste à étudier le troisième âge de la vie spirituelle. C'est l'âge des parfaits. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait pour venir prendre le cours. C'est très avancé, cette affaire-là, vous le verrez. C'est l'âge de l'union parfaite avec le Seigneur. Si vous aimez être aguiché par une belle vie spirituelle, vous tombez bien parce qu'on va dire cette année tout particulièrement les grandes choses de cet âge-là. Hein? C'est très beau. Maintenant, évidemment, il ne faut pas penser que ça se pratique comme ça. Hein? Il s'agit avant tout d'une activité du Saint-Esprit, plus que jamais. Déjà, on a vu les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit. On les a vus à l'œuvre, particulièrement dans la prière contemplative des quatrième et cinquième demeures. C'était déjà beaucoup. Mais maintenant, l'action du Saint-Esprit va se développer tellement qu'on ne peut pas continuer nos cours sans s'arrêter un bon moment pour voir comment il travaille le Saint-Esprit, surtout dans le troisième âge, parce que son œuvre là, c'est pas n'importe quoi, c'est de faire avec des chrétiens, de faire des vrais saints et des vraies saintes. C'est l'école de la sainteté. Et le professeur, à partir d'ici, surtout déjà un peu à partir de là, mais à partir d'ici surtout, le professeur à cette école-là, c'est l'Esprit Saint. Il faut tout de même faire connaissance avec lui. On a eu un cours, le cours 23, qui s'est prolongé sur un deuxième mois. Ça fait déjà pas mal longtemps, sur les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de moins précis, dans ce sens moins détaillé. Mais ce qu'on va étudier aujourd'hui et la fois prochaine, c'est sa grande action. Comment ça travaille fort? C'est cette question-là. Est-ce que vous avez vos feuilles? Est-ce que vos feuilles ne seraient pas précédées d'une espèce de plan intitulé Dernière étape, c'est ça? Bon, je suis bien content parce que moi, dans mon cahier, ils l'ont mis après, au lieu du commencement. Hein? La vraie place, c'est au début. Cette page-là, un tableau synoptique, comme vous pouvez voir, ça résume tout ce qui reste de cours à voir. Il y en a pas mal, on est à 44, ça finit à 56. Alors, il y en a encore pas mal. Alors, ça résume l'âme livrée à Dieu, c'est-à-dire à l'action du Saint-Esprit. Ça a été vu, ça, dans le cours numéro 5, le cours plutôt cinquième demeure, la dernière fois. Eh bien, cette âme-là devient instrument de l'amour.
le Saint-Esprit s'en sert. C'est ça l'idée. Le Saint-Esprit va se servir des âmes pour faire de la sainteté. Avant ça, il y a des fois que c'est des gens qui se servent du Saint-Esprit. Ils servent du Saint-Esprit pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Mais c'est fini, ça. C'est dépassé. Rendu là où on est là, c'est l'Esprit Saint qui va se servir des âmes. C'est lui qui va être le grand maître du travail de sanctification. Et alors, on n'aura qu'à suivre son action, à obéir à son travail. Alors, Dieu s'empare d'elle, cette âme, Dieu, Saint-Esprit, et poursuit la dernière étape qui est l'union transformante. Première étape, c'était au troisième demeure, c'était l'union active. On ne disait pas tellement le mot union. C'était beau, c'était les troisièmes demeures, c'était beau. La deuxième étape, c'était au cinquième demeure, l'union, notre dernier cours. C'était l'union passive ou mystique. C'est très beau, mais c'est transitoire. Et il y aura bientôt, à la suite, dans les derniers cours de la prochaine série, là, il y aura l'union parfaite ou l'union transformante. Transformante, ça veut dire nous transformer pour être des saints semblables à Jésus-Christ. Dès lors, sous l'action de Dieu, tous ces mots-là, il y aura des cours pour les développer. Là. Sous l'action de Dieu, rien que ce mot-là, là. Vous avez le cours d'aujourd'hui, puis le cours du mois prochain. Sous l'action de Dieu, par des enrichissements, c'est du général, la grâce qui vient enrichir continuellement la vie de l'âme, et spécialement par les faveurs extraordinaires. Ce sera le cours numéro 45. Sous l'action de Dieu, l'âme se prépare au mariage spirituel, ce qui sera en septième demeure. La préparation au mariage spirituel est d'abord négative et de plus en plus positive. Préparation négative, ça veut dire que le Saint-Esprit va ôter les obstacles à la sainteté. Préparation négative, c'est quand on enlève toutes les barrières, toutes les difficultés, on les fait tomber, puis il reste que ça va marcher. Hein? Préparation négative, ça va tourner vers les fiançailles spirituelles, cette préparation-là. Les fiançailles spirituelles seront la fin de la préparation négative et ça commencera avec les fiançailles et les visites, la préparation positive. Préparation au mariage, SPM, service préparation au mariage. Hein? Enfin, après avoir été sous l'action de Dieu, deux bonnes demeures là, enfin, dans le mariage spirituel, elle arrive l'âme à l'union transformante. C'est le but, arriver à la transformation. On pourrait dire, Saint-Pierre avait dit qu'il faut que nous soyons tous des pierres vivantes pour l'édification de l'Église. Eh bien, il faut se transformer pour devenir des pierres vivantes. Hein? Il y en a, c'est quasiment rien que des cailloux. C'est pas des pierres vivantes. Hein? Alors, il faut être transformé sous l'action de Dieu. Alors, nous verrons ce soir. L'action de Dieu, le fait, les caractères, et ça suffira, je pense, en partie, là. La prochaine fois, on continuera ça. Quelques caractères de l'action de Dieu, les modes, et puis dans un autre cours, le deuxième mois qui vient, pas le prochain mois, l'autre mois après,
il sera question des faveurs extraordinaires, les grâces mystiques. On en parlera une fois. Et ça suffit. Une bonne fois, clairement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas une chose dont il faut parler tout le temps. Ça va, là? Alors, allons-y. L'action de Dieu. D'abord, le fait de cette action, ça veut dire que c'est vrai que Dieu travaille dans les hommes. Ce n'est pas une rêverie, c'est un fait. C'est comme ça. Après ça, on verra les caractères après la pause. Le fait de cette action. Au cinquième demeure, c'est là que je vous ai laissé au dernier cours, avant les vacances. Au cinquième demeure, ici, l'âme était sur le plateau spirituel. Saint Jean de la Croix, lui, il ne parle pas d'un château, il parle d'un massif de montagne. Alors, l'âme était sur le plateau, au pied des pentes abruptes, en face de montagnes beaucoup plus hautes. Et il fallait monter là. C'est là qu'on est resté au dernier cours. Maintenant, elle doit faire l'ascension de ses pentes. Et ça va se faire sous l'action de Dieu. Oui. Ce n'est plus une action du Saint-Esprit comme auparavant. Il y a du nouveau. Ça ne sera pas une action intermittente, mais une action prédominante et exclusive. Au quatrième demeure, il y avait action de Dieu, mais c'était intermittent, c'est-à-dire que de temps en temps, merci, et de plus en plus souvent, le Saint-Esprit venait transformer la prière. C'était donc intermittent. Une fois ici, un peu plus tard, et un peu plus tard encore, avec à la fin une certaine régularité. Et c'était intermittent, c'était aussi incomplet, parce que cette action de Dieu n'atteignait que certaines puissances. Ça n'atteignait pas toutes les facultés, ça n'atteignait que l'intellect, l'entendement et la volonté. Tandis que maintenant, plus ça va aller, plus l'action va être prédominante, ça va primer tout, et ça va devenir exclusif, pas du premier coup, hein? Mais ça va devenir tellement fort qu'à la fin, le Saint-Esprit voudra tout faire. Il ne restera rien qu'une chose, le laisser faire. C'est de la passivité. Passif, ça veut dire qu'un autre travaille sur nous. Avant, il y avait de l'activité, beaucoup. C'est nous qui travaillons dans nos prières, nos exercices de vertu. Maintenant, ce sera passivité. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, mais ça veut dire qu'on se laissera travailler par le Saint-Esprit. C'est de la mystique. En général, le mot mystique, là, c'est pas le sens du mot, mais c'est le sens qu'on lui attribue ordinairement. On désigne par ce mot-là les choses spirituelles qui sont sous la conduite du Saint-Esprit. Ça, c'est mystique.
Il y a une contemplation naturelle, mais il y a une contemplation mystique. La contemplation naturelle, c'est lorsque vous regardez avec vos facultés, par exemple un ciel étoilé ou des belles choses. Et puis la contemplation mystique, c'est lorsque c'est le Saint-Esprit qui dirige votre regard, mystique. On avait de la mystique, certains points d'influence mystique avant. Et maintenant, au sixième et septième demeure, ce chrétien-là, c'est un mystique. Cette chrétienne-là, c'est une mystique. Les mystiques-là, au sens traditionnel, en spiritualité, c'est ceux qui sont sous la conduite prédominante, presque constante, du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une action du Saint-Esprit comme avant. Cette action du Saint-Esprit est affirmée par sainte Thérèse, qui dans le livre de sa vie l'appelle la pluie. Elle dit « La grâce du Saint-Esprit descend comme une pluie. » Oh, c'est beau, la pluie de grâce. On n'a pas la peine de travailler pour cultiver son jardin, une comparaison qu'elle emploie. Le Seigneur envoie la pluie, puis ça arrose tout seul. Et dans le livre du chemin de la perfection, sainte Thérèse a une autre expression. Elle l'appelle théologie mystique. Attention à ce mot-là, ça peut avoir deux sens. La théologie mystique, dans le sens ordinaire, c'est lorsqu'on étudie la théologie des choses spirituelles. Exactement ce qu'on fait ici. Vous ne saviez peut-être pas que vous êtes à un cours de théologie mystique. Vous allez vous en apercevoir plus cette année et à l'avenir encore. Ça, c'est le sens ordinaire. Mais d'après sainte Thérèse, théologie mystique veut dire connaissance de Dieu, mais qui vient du Saint-Esprit. C'est une haute contemplation. Donc, affirmée par sainte Thérèse, cette action, confirmée par saint Jean de la Croix. Lui, il a d'autres expressions. Il dit, par exemple, « Dieu est là ». Vous remarquerez les expressions, trois expressions, A, B, C, sur vos feuilles. D'abord, « Dieu est là ». Un peu plus tard, Dieu se précipite. Et plus loin, Dieu est tellement rendu qu'il a des jeux divins dans l'âme. C'est comme une gradation, les expressions de saint Jean de la Croix. Dieu est là dans les préparations de sécheresse et d'onctions enrichissantes, dans les contemplations, ça. Plus tard, Dieu se précipite après les préparations. On fait allusion, là, aux fiançailles, ici. Avant, Dieu était là et travaillait, mais ça paraissait pas trop. Maintenant, Dieu se précipite dans l'âme. Envahissement divin, blessure de l'Esprit-Saint, fiançailles spirituelles, jeu de la sagesse conduisant à l'union parfaite. Et enfin, saint Jean de la Croix parle des jeux divins, comment le Saint-Esprit ou la Trinité paraissent faire un jeu d'être dans l'âme, de résider dans l'âme. Jeux divins se continuant en la substance de l'âme parfaite. Il donne des exemples. Le Saint-Esprit, par exemple, va venir célébrer la fête de l'amour. Je le dis tout de suite, on détaillera plus tard dans le cours sur les fiançailles. La fête de l'amour, comment ça va se faire? C'est une magnifique, magnifique chose. C'est les fiançailles, ça. Le Saint-Esprit, Dieu la touchera l'âme. Ici, dans la substance de l'âme, dans ce qu'il y a de plus intime à notre âme. Cette touche-là sera saisie par l'intelligence ici. On s'apercevra qu'on est pris par le Seigneur et la joie reviendra ici. C'est un jeu magnifique, ça. Il vous touche intérieurement,
c'est une des grandes, grandes... Ordinairement, quand on a une touche du Seigneur, là, une vraie touche, là, pas capable de résister, on part en extase. Alors, ça veut dire qu'on ne l'a pas souvent. Hein? Mais quand même, il y a des âmes avancées qui ont des touches. Et chaque touche, eh bien, c'est là qu'on est touché, c'est là, dans l'intelligence ou dans l'esprit, qu'on s'en aperçoit. Et la joie qui en revient est une joie extrêmement intérieure, tout à fait dans le sens de l'âme, la joie la plus grande qu'on puisse avoir sur terre. Un autre exemple de ces gens de la croix. Le verbe de Dieu, comme un époux, eh bien, Saint Jean de la Croix suppose qu'il est comme endormi dans l'âme. On est très unis, l'un l'autre, le Verbe et l'âme chrétienne qui est l'épouse. Le Verbe, il dort. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On attend, hein? On attend qu'il se réveille. Mais à un moment, il va se réveiller. On dirait qu'il y a un réveil, là. Et lorsqu'il s'éveille, il va laisser voir à l'âme la brûlure de l'Esprit-Saint, la touche délicate du Père, et la douce main, du Verbe plutôt, et la douce main du Père. Et ça va être très, très beau, ça. Ça appartient au septième demeure. Ce grand phénomène-là, nous le verrons dans le cours sur le mariage spirituel. Une des plus belles choses qu'il y a dans la vie spirituelle. Bon, voilà. Action de Dieu réelle, affirmée par Sainte Thérèse, confirmée par Saint Jean de la Croix, et j'ajoute, hiérarchisée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le Seigneur, pour ses grâces, il passe par les anges. Du moins, c'est l'opinion assez commune dans tout le système thomiste. Hein? Il passe par les anges. Le Seigneur aime avoir des intermédiaires, pas arriver tout de suite directement. Mais ici, il faut distinguer l'influence des anges là, dans notre âme. C'est bien plus qu'on pense, vous savez. Il y a des grâces où on reçoit des grâces par les anges, là, on ne s'aperçoit même pas que ça passe par les anges, parce que c'est trop pur, c'est trop avancé, et il nous semble que c'est Dieu direct. Et d'autres faveurs, ça passe par les anges en s'arrêtant dans l'ange, et là, ça va prendre différentes nuances suivant le tempérament des saints ou le tempérament des anges. Ils ne sont pas tous pareils. Je vais vous donner un exemple assez formidable. C'est une bilocation. Bilocation arrivée, il y a déjà de longues années, à Saint-Alphonse de Ligorie. Bilocation, le mot veut dire loger à deux places. Donc on est physiquement à deux places en même temps. Et dans le cas de Saint-Alphonse, il s'est trouvé en même temps, pas loin de Naples, dans un petit couvent, je pense que c'était à Illiceto, je ne suis pas sûr, là. Hein? Puis en même temps, il était à Rome. Donc Saint-Alphonse, à ce moment-là, était un vieil évêque, retiré, très malade, très vieux, dans les 80 avancés. Il est mort à 91, hein? Puis souvent, il se tenait dans son fauteuil, dans sa chambre, un immense fauteuil. Il était là, tout plié. Et puis, il aimait qu'un frère lui dise le chapelet, mais ça. Il répondait, mais ça. Puis une bonne fois, le frère est venu pour le voir dans sa chambre, et il l'a trouvé comme mort. Il lui dit, qu'est-ce que c'est que ça? Monseigneur, ça ne bougeait pas. Monseigneur. Il s'approche, il était comme mort, mais il était chaud, encore. Qu'est-ce qui se passe? Il essaye de le réveiller, il ne se réveillait pas. Il avait le souffle, il voyait sa respiration.
On y a attendu. On a parlé aux supérieurs, puis ils ont dit « Surveillez ça de proche. » Assez souvent, quelqu'un se tenait là, près de lui, et après 3 jours, il se réveille, puis il dit « Le pape vient de mourir. » À l'âge qu'il avait, on a dit probablement que... Il a rêvé longtemps, hein? Mais c'était pas ça, vous savez. C'était pas ça du tout. En même temps qu'il était comme mort dans sa chambre près de Naples, il était à Rome. Et il confessait le pape. C'est un pape qui avait besoin d'un confesseur extraordinaire. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un peu curieux à dire, c'est un pape qui avait fait un mauvais coup. Faut quand même respecter ça. Vous savez, ce qui était arrivé, c'est que les jésuites, c'est connu ça, c'est une communauté très très forte dans l'Église. Ça passe pour la communauté, l'ordre religieux le plus fort, le plus puissant dans l'Église. Et les forces du mal ont bien peur des jésuites. Alors, les francs-maçons de France, d'Italie et d'Espagne avaient fait des menaces au pape. Puis ils avaient dit, si vous ne supprimez pas les jésuites, c'est la persécution qui se déchaîne sur toute l'Église catholique. On est prêt, on ne vous manquera pas. Le pape, vous comprenez que ce n'est pas un petit problème de conscience, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il a fini par faire un décret bref, puis il a dit, par la présente, nous déclarons que les jésuites n'existent pas, n'existent plus, n'ont plus droit à l'existence comme communauté, n'ont pas le droit au recrutement. Alors, on les dissout. C'est à ce moment-là là, que... On a vendu le collège des jésuites à Québec. C'est à ce moment-là que toutes les églises des jésuites, on les a données à d'autres. L'église des jésuites à Rome, le Jésus, le pape l'avait offert à Saint-Alphonse. Il dit, je ne le prends pas. Pas pour prendre les dépouilles des autres, je ne le prends pas. Alors, c'était une grosse affaire partout dans le monde. Seulement, le pape avait ajouté une petite note à la fin de son décret, là. Ce décret prendra vigueur à mesure qu'il sera promulgué par les autorités civiles compétentes dans différents pays. Tout de suite, hein, les Français, les Italiens, les Espagnols, ceux qui avaient poussé l'affaire, supprimer les jésuites, puis comme on dépendait un peu de la France, tout supprimer ici au Canada, la même chose. Il n'y avait plus de jésuites, il n'avait pas le droit à vivre. Seulement, ce qui est arrivé, c'est que l'impératrice de Russie, Catherine, elle n'aimait pas trop le pape, puis elle dit, moi, cette affaire-là, je déchire ça. Par conséquent, elle ne l'a pas promulgué. Et donc, en Russie, les jésuites n'ont pas été supprimés. Et ils ont passé en grand nombre, là, ils s'en allaient en Russie. Ils s'en allaient là. C'est la Russie qui a sauvé les jésuites, en fait. Et le pape Pie XII, dans un geste de reconnaissance, plus tard, longtemps plus tard, a demandé au père général des jésuites de préparer au moins 100 spécialistes des questions russes pour être capable de les envoyer en Russie dans les 24 heures si c'était nécessaire. En tout cas, ce pape qui a fait une chose pareille, vous comprenez, quand on vient pour mourir, c'est pas trop drôle. Qu'est-ce que tu as fait des jésuites? Puis il y avait des inquiétudes, ça se comprend. Mais comme il n'y avait pas mauvaise volonté, Seigneur a décidé de l'aider puis lui a envoyé le meilleur confesseur de l'Église.
Saint Alphonse est le patron de tous ceux qui entendent les confessions dans toute l'Église, d'après la déclaration de Pie XII. Bon, par une chance, Seigneur lui a envoyé Saint Alphonse auprès du lit du pape pour le consoler, l'aider, le pardonner, puis le mettre en bonne voie de passer dans son éternité. Hein? Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, le pape venait de mourir, accompagné par Saint Alphonse. Il n'y avait plus d'affaires là. Ils l'ont retrouvé dans sa chambre. Il s'est réveillé dans sa chambre. Il se trouvait donc à deux places à la fois. On pose une question un peu curieuse. Lequel était dans la chambre, c'est-à-dire, là, à quelle place était l'ange et à quelle place était Saint Alphonse? Est-ce que l'ange était à Rome ou était-il dans la chambre avec Saint Alphonse? On ne sait pas, hein? L'un, hein? C'était l'ange, puis l'autre, c'était le vrai corps de Saint Alphonse. Hein? C'est pas seulement son esprit, son corps. Une bilocation, c'est le corps aux deux places. Alors, il y en a un, évidemment, comme on n'a pas deux corps, il y en a un, c'est un ange qui prend la place, puis l'autre, bien, c'est lui. À quelle place était le vrai Saint Alphonse? À Rome, mes amis. Pourquoi? Parce qu'un ange ne peut pas confesser puis pardonner. Il ne peut pas confesser un ange. Il ne peut pas entendre les confessions, il n'est pas prêtre. Alors, il n'y a rien qu'un prêtre qui peut faire ça. C'est pourquoi le vrai Saint Alphonse était à Rome, puis l'ange, dans sa chambre, a pris tout à fait l'image exactement pareil, un petit picot sur la joue, puis tout pareil, pareil. Hein. Les lacets de bottines. Ce sont de gros cas, c'est pas ça. C'est pas une biprésence, c'est une bilocation. Physiquement, à deux places. Et c'est très rare, tellement que le fait de Saint Alphonse, là, ça a fait travailler les théologiens. Ils se sont débattus pour éclaircir cette question-là. Hein? Donc, vous voyez ici comment, dans beaucoup de grâces, l'action divine passe par les anges de façon sensible, et d'autres fois, ça passe par les anges sans que ça paraisse. J'ajoute une petite note en bas de la page, là. Indirectement, ça reste divin, indirectement, confié aux anges. Par exemple, une vision, une grâce de paternité, ou ce que je viens de vous dire, une bilocation. Et ça va rester directement divin, l'action de Dieu, si ça ne fait que passer dans l'ange, à travers l'ange, comme les grâces les plus hautes ou les grâces les plus intimes. Avez-vous remarqué qu'est-ce qui arrive quand vous avez des fenêtres, la lumière arrive du dehors? Quand la vitre est claire, les vitres blanches, là, claires, hein? La lumière arrive du dehors, absolument en dedans comme en dehors. Hein? C'est le même éclairage, ça a traversé la vitre, ça ne s'est pas arrêté dans la vitre, ça a passé à travers. Puis mettez 10 vitres claires, une à côté de l'autre, puis mettez-en 25, la lumière va passer de la même façon. Hein? Ça passe tout droit. Ça passe puisqu'en dedans on voit. Hein? Mais ça passe tellement bien que ça ne s'arrête pas, c'est exactement, l'image est exactement la même. Hein? Mais si les vitres sont rouges, ou si vous avez un vitrail ou quelques verrières, là, qu'est-ce qui arrive? C'est que la lumière, en passant dans la vitre en couleur, elle s'arrête, puis elle laisse passer seulement certaines couleurs. Hein? Il y a des places, la lumière ne sera pas blanche, elle va être rouge. Peut-être dans un autre coin du vitrail, ça va être bleu. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la lumière s'est arrêtée dans la vitre. Et c'est la vitre qui l'a transformée. Bien, il y a des grâces du Saint-Esprit qui s'arrêtent en nous, comme ce que je viens de vous dire, la bilocation de Saint-Alphonse, là. Ça s'arrête, là. Et l'ange, alors, peut travailler ça à sa guise, selon son tempérament ou le tempérament du sujet.
Tandis que la plupart des grâces les plus élevées, grâce d'union, grâces les plus intimes, union intime, contact direct avec Dieu, ça, ça passe par l'ange d'après les thomistes, mais ça ne s'arrête pas dans l'ange. Et on n'a pas l'impression du tout que ça a passé par quelqu'un, on a plutôt l'impression que ça vient directement du Seigneur. Comme si vous êtes dans une maison et qu'il fait clair, vous dites, le soleil s'en vient m'éclairer dans ma lecture, hein, dans mon travail. C'est direct. Cette action de Dieu est remarquée comme divine. On ne remarque pas les intermédiaires, s'il y en a, mais c'est Dieu. On voit que Dieu travaille. Et l'âme, alors, qui reçoit comme ça une influence de Dieu, une grande action de Dieu, elle se sent l'objet d'un choix divin, d'une emprise divine. Elle est toute heureuse d'être ainsi travaillée par le Seigneur. On va faire la pause ici. Ça ne reposera pas aussi longtemps que saint Alphonse. La deuxième partie du cours serait très longue, mais on ne prolongera pas, on n'en verra qu'une page. Et on gardera le reste pour la prochaine fois. Même s'il y a pas mal de pages, ça ira plus rondement la prochaine fois. Là, les choses les plus difficiles, on les a passées aujourd'hui. On les passe aujourd'hui. Les caractères de cette action. Quelle sorte d'action que le Saint-Esprit fait dans les âmes, particulièrement au troisième âge. En général, vous savez, ça c'est toute la vie et pour tout le monde. Les grâces du Saint-Esprit, ça revient à deux sortes de grâces. Un éclairage, puis une poussée. Il nous éclaire, il nous meut, il nous pousse. Si vous voulez, grâce de mieux comprendre, connaissance, donc lumière, on pourrait dire, et amour. Ces deux mots-là résument très bien l'activité du Saint-Esprit. Il infuse en nous des infusions, il infuse lumière et amour. Toujours. Mais à partir des quatrièmes demeures, déjà il infusait une lumière supérieure, un amour supérieur. Mais maintenant que nous arrivons au sixième demeure, l'âge des parfaits, là c'est encore beaucoup plus fort. Et on peut dire que l'intensité principale de cette action du Saint-Esprit, ça va être surtout l'amour. Il va continuer d'infuser de la lumière, l'éclairage, connaissance. Mais de plus en plus, et jusqu'à la fin de la vie, ce sont les infusions d'amour qui vont prendre le dessus sur les autres. De façon qu'on pourra dire, l'activité du Saint-Esprit, c'est de nous donner de l'amour pour le Seigneur, qui nous donne lui-même l'amour qui serait digne d'avoir pour le Père, pour Dieu. Alors, j'insiste sur ce côté-là. Il y aura connaissance aussi, mais c'est l'amour qui prend le pas, qui devient le don principal du Saint-Esprit dans les voies avancées. Alors, l'action de Dieu infuse à l'homme un amour qualifié. Il va falloir expliquer ce mot-là. Un amour purifiant et unifiant. Un amour source de lumière. On va garder ça pour la prochaine fois. Un amour qui nous fait réaliser les présences divines aussi pour la prochaine fois. Un amour qui forme
l'apôtre parfait, qui prépare l'apostolat parfait. Donc vous voyez, toujours question d'amour. Mais les infusions des sixième et septième demeures sont tellement plus fortes qu'avant que maintenant on insiste surtout sur l'amour qu'il va nous donner, mais pas n'importe quoi. L'amour qualifié, on verra ensuite l'amour purifiant et unifiant, et pour ce soir on en aura assez, on continuera ce thème la prochaine fois. Selon sainte Thérèse, et vous trouvez ça dans « Je veux voir Dieu », page 677, le Seigneur nous donne des impulsions délicates et subtiles. Sainte Thérèse, elle dit toutes sortes de choses, c'est pas dans une suite. Elle dit une chose ici, une autre chose plus loin, mais on trouve tout ça dans son langage. Hein? Donc, elle parle aussi de ravissement, c'est une grande action de Dieu. Ravissement, quand on pense, ravir, qu'est-ce que c'est? Tirer quelqu'un de force. Vous connaissez ce que c'est qu'un ravisseur? Hein? Les ravisseurs de Pierre Laporte sont venus tirer de force. Eh bien, quand le Seigneur tire quelqu'un dans une grande extase, là, c'est toute une action. C'est un acte d'amour tellement fort, il va chercher cet homme-là, puis l'attire à lui dans son troisième ciel, comme saint Paul, comme sainte Thérèse. Donc, sainte Thérèse nous parle de ça, l'action de Dieu, des impulsions délicates, des ravissements, des peines aussi qui viennent de Dieu, des visions, faveurs extraordinaires. Et elle parle aussi, il faudra en parler un moment, d'angoisse quasi intolérable. Il y a des moments où c'est très angoissant la vie. Ça, c'est sainte Thérèse. Un peu ici et là, elle parle de différentes manifestations de l'action de Dieu, et c'est toujours autour de l'amour. Quant à saint Jean de la Croix, il a une des plus belles pages qu'on puisse trouver dans toute la littérature spirituelle. Il compare l'action du Saint-Esprit au feu qui attaque une bûche dans un foyer. Vous avez le foyer, là. Il y a du feu de braise au fond, vous venez mettre une belle bûche dessus, là. À supposer qu'il y a un petit peu d'air pour pas que ça étouffe, hein? Mettez une belle bûche dessus. Alors, tout de suite, saint Jean de la Croix dit, le feu va l'attaquer. Va attaquer la bûche. Vous l'avez remarqué, hein? Si vous mettez une bûche dans le foyer, tout de suite, ça se met à crépiter, hein? Puis ça fait des éclats, vous voyez, des jaillissements ici et là, comme si le feu était enragé, puis qu'il sautait sur le bois pour le dévorer. Il l'attaque. Ça fait ça un certain temps, un bon temps. Après ça, il l'enveloppe. Vous remarquerez comment est-ce qu'il fait le feu. Là, ce sont des lames bleues. Le feu s'en vient en lames, là, tout autour, de tous côtés, par les bouts ici. Il s'en vient envelopper le bois. Vous voyez arriver ça. C'est bleu, c'est chaud, ça. Alors, il l'enveloppe, il le ramasse. Après un certain temps, il le dessèche. Si vous avez vu ça, s'il y a encore un peu de sève dans ce bois-là, c'est pas du bois vraiment sec, vous voyez sortir la sève au bout, là. Hein? Même ça fait des petites boursouflures, là, puis ça sent mauvais, c'est brûlé, ça. Hein? Non, il vide le bois, il l'assèche. Tout ce qu'il peut y avoir d'humidité dedans, il le vide. Ensuite, toujours la même bûche, là, le feu la pénètre. Il entre dans le bois, puis par les bouts surtout, vous pouvez voir ça, vous voyez les âges du bois, là. Puis vous voyez le feu qui est là-dedans, ça fait rouge, là, à l'intérieur de la bûche. Et finalement, il le transforme à tel point que le bois devient feu. Un tison, c'est quoi? C'est du feu en bâton, ça. C'est un bâton de feu.
ça reste du bois, mais en même temps c'est du feu, avec toutes les propriétés du feu. Ça peut éclairer, ça peut purifier, ça peut réchauffer, c'est tout à fait comme du feu. Le bois est devenu feu, un feu sous des formes, la forme du bois. Ben, il parle du madrier, ben, c'est une bûche. Hein? Alors c'est une très belle comparaison, ça. Évidemment, il ne donne pas tout de suite du premier coup, ça vient dans ses livres, qu'est-ce qui se passe, comment ça va, mais on vous dit tout de suite, là, que cette action de Dieu dans l'âge avancé, c'est une action très forte et c'est prédominance d'infusion d'amour plutôt que de lumière. Il y a les deux, mais amour surtout. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas cette poésie-là, mais elle a cette spiritualité-là. Et beaucoup plus simplement, elle a dit la même chose. Elle dit à un moment donné, à la fin de sa vie, elle dit « L'amour me pénètre et m'environne ». C'est les mots de Saint Jean de la Croix. Moïse avait dit, lui, déjà, « Dieu est un feu consumant ». Et Moïse, Saint Jean, Saint Paul diront, « Dieu est amour, donc feu ». Donc vous voyez, infusion d'amour. Maintenant, il faut insister sur un mot. Cette infusion d'amour, ce n'est pas n'importe quel amour que Dieu donne, c'est un amour qualifié. Qu'est-ce qu'un amour qualifié? C'est un amour de qualité. Pas un amour superficiel ou un amour vulgaire, mais un amour de la plus haute qualité. Vraiment quelque chose de très haut, là. Qualifié comment? Comment ça peut être qualifié? Par la profondeur où il agit, au plus central du centre de l'âme. Regardez le plus central du centre de l'âme, là. Hein? Tout ça, ça représente l'âme. On a dessiné ici, pour les quatrièmes demeures, le centre de l'âme, le grand centre. On a dit qu'il y a le côté sensible et il y a le côté plus spirituel dans l'âme. C'est le centre. Mais cette fois-ci, l'amour va être infusé au plus central du centre, le centre du centre, où se trouve Dieu lui-même. Donc, c'est ça qui va faire la qualité de l'amour. Vous savez, d'une façon générale, la qualité de l'amour, même nos amours humains, c'est dans la profondeur, bien sûr. Quand on dit à quelqu'un en passant, oh, je t'aime bien, tu sais. Oh, je t'aime bien, il m'a dit qu'il m'aimait bien. C'est pas compromettant, ça. Hein? Et ça changera pas une vie, je pense pas. Hein? Oh, il m'aime bien. Je vous aime bien, vous savez. Il n'y a aucune profondeur là-dedans. On dira, ça, c'est un de mes bons amis, il me parle souvent. Mais qu'est-ce que c'est qu'il dit? Ben, on dit bonjour. Quand on se rencontre, il fait beau, il fait mauvais. Il n'y a pas grand profondeur là-dedans. Mais quand vous commencez à pénétrer dans l'autre, là, qu'est-ce que tu penses? Puis qu'on dit à l'autre, là, ce que j'ai pensé. Tu ne sais pas ce que je pense quand je suis seul, là. Tu ne sais pas mes projets. Tu ne sais pas mes désirs intimes, là. Je veux te dire ce que j'ai de plus caché en moi. Ça, c'est de la qualité. Tant que l'amour, les petites fréquentations, là, hein, est pas rendu à ces profondeurs, là, c'est pas trop sérieux. Hein. La qualité de l'amour, vous la trouvez dans la profondeur où elle s'exprime. Donc, au cinquième demeure, la rencontre divine était déjà au centre. C'était là, c'est déjà dans le grand centre, hein. Et Sainte Thérèse dit, il n'y a pas de porte fermée entre la cinquième et sixième demeure. Hein? Dans plusieurs tableaux, j'ai fait dessiner le troisième rond comme pointillé pour montrer que c'est le même centre, mais quelque chose, un salon dans le centre, hein? C'est plus intérieur. Au sixième demeure, et bientôt les septièmes, là, encore le centre, si vous voulez,
mais avec plus de profondeur, plus de force conquérante, plus de pénétration. C'est évident que plus on s'approche d'un foyer, plus on est tiré par le foyer. Plus vous vous approchez d'un aimant, plus ça tire fort. La même chose, tant qu'on est dans les demeures du bord, là, c'est à peine si on aime le bon Dieu. Si on est en état de grâce, on a de la misère à tenir. Mais on n'est pas attiré bien fort. Mais plus on fait de sacrifices et plus on laisse des choses derrière soi, là, pour le Seigneur, plus on approche, donc plus ça tire fort. Et quand on en est rendu là, ça tire tellement fort qu'il y aura des ravissements, quoi. Il va nous tirer assez fort pour nous tirer à lui, Seigneur. Les degrés ici ne sont pas dans la substance de l'âme. Il ne faut pas penser qu'il y a des degrés là-dedans, hein? Des marches. Ce n'est pas ça. Mais ils sont dans l'envahissement de Dieu. Si vous êtes plus envahi par Dieu, c'est un degré supérieur. Ou bien si c'est rien qu'un peu superficiel. Sainte Thérèse, dans sa vie, dans la vie qu'elle a vécue, parlait de trois oraisons d'union dans le centre de l'âme, dès les cinquièmes demeures et de plus en plus. Regardez bien, par exemple, pour montrer qu'il peut y avoir plus de profondeur. Elle donnait ici une union, hein? Une oraison d'union, cinquième demeure. C'est beau. Plus tard, elle va parler d'oraison d'union, cette fois-ci, c'est l'union des fiançailles. Encore beaucoup plus intime. Et plus tard, au septième demeure, elle parlera de l'union transformante. Donc, même dans l'amour que le Seigneur infuse, il peut y avoir des degrés selon la pénétration en Dieu ou selon que Dieu nous envahit davantage. Saint Jean de la Croix, dans le livre « Nuit obscure », nous parle d'un langage de Dieu à l'âme. Il dit, c'est comme un langage de pur esprit à esprit pur. Ces mots-là, c'est un peu subtil. Il faut essayer d'expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un pur esprit? C'est un esprit sans langue. C'est-à-dire un esprit où il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de chair, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sensibilité. Il y en a deux sortes de purs esprits. Il y a Dieu lui-même, puis il y a tous les anges, bons ou mauvais. Ce sont de purs esprits, c'est-à-dire que les anges n'ont pas de corps. C'est juste, si on voulait faire le tableau d'un ange, là, hein, on pourrait faire la roulette. Faire la roulette des anges pour épater vos amis. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait? On ôterait le rond du bord. Ça commencerait ici, hein, pour les bons anges. C'est du pareil. Mais nous autres, il y a tout ça qui est un peu plus pesant. Hein? Nous autres, c'est plus pesant. On a la chair, on a les os, on a notre pauvre carcasse. Hein? Alors, on n'est pas des purs esprits. On est esprit parce que notre âme est spirituelle. Notre âme est un esprit, et ceux qui sont, dont l'âme est séparée du corps, là, temporairement, là, jusqu'à la fin des temps, là, ceux-là, ils sont pratiquement comme des purs esprits, nos parents défunts, par exemple, hein, ou les saints du ciel, ben, ils n'ont pas de corps, mais ils ont quand même toute cette psychologie-là, hein, pas celle-là. Donc, ils n'ont aucune sensibilité. Il y en a qui disent, je vais faire pleurer ma mère qui est dans le tombeau. Elle ne pleurera pas, elle n'a pas peur. Elle ne pleurera pas. Mais son esprit peut savoir par le Seigneur qu'il se passe des choses, par exemple. Elle a tout son esprit. Alors, ça, c'est un pur esprit, quelqu'un qui n'a pas de corps. Saint Jean de la Croix dit, la grâce va tellement loin qu'à un moment donné, on dirait que si on n'est pas des purs esprits, on est des esprits purs. C'est-à-dire qu'on est tellement dans le Seigneur
que la partie inférieure de notre être là, ne nuit pas, ça a cessé de nuire, ça ne dérange pas. Et on vit dans son intérieur profond, avec le Seigneur, presque comme si on était des gens, des anges, quoi. Hein? C'est pas pareil. Bon, il en restera toujours quelque chose de l'humain. Saint Jean de la Croix, dans le livre « Vive flamme », c'est un très beau livre, ce beau livre-là. Il nous parle encore de certaines pénétrations en profondeur. Ça veut dire qu'il va nous donner des grâces de plus en plus profondes. Par exemple, hein, il nous dit les blessures qui précèdent immédiatement l'union. Donc, il y a les blessures de l'âme avant la grande grâce d'union. Après ça, il y aura les touches qui suivent l'union. C'est comme s'il y avait trois choses, hein? Des blessures ou des angoisses, la grâce d'union, et encore plus fort, eh bien, ce qui suit les touches du verbe qui suivent l'union. Hein? Alors, c'est une progression en profondeur, en pénétration. Blessure, par exemple, dans la nuit de l'esprit, la grâce d'union dans l'union des fiançailles, et puis après ça, les touches délicates qui suivent. Donc pour Saint Jean de la Croix, il y a comme une pénétration en profondeur, et de plus en plus, l'amour que le Seigneur donne aux saints, ça va en profondeur. Ce sont des localisations, si vous voulez, localisations qui sont plus que des paroles. On dit des localisations, nous autres, on fait des dessins, hein? Des tableaux. C'est dans l'âme, c'est plus simple que ça. Mais c'est plus que des paroles, plus que des symboles. Toutes ces choses, ces manières de dire, ces localisations sont le fruit d'une expérience précise et très nette. Et voici quelques expériences ici. Pour Sainte Thérèse, vous allez voir trois choses en profondeur là. Par la grâce mystique, cinquième demeure, l'âme se sent arrachée au monde extérieur. Elle est comme entrée dans le noir, elle lâche tout, hein? On perd connaissance pendant une demi-heure à peu près. On perd tout. Introduite dans l'obscurité des profondeurs d'elle-même. Ça, c'est une grâce, cinquième demeure. Sixième demeure, il y aurait le vol de l'esprit. Là, c'est plus fort, elle est entraînée vers Dieu. Et plus tard, septième demeure, mariage spirituel, elle va être mise en présence de ce Dieu qui l'habite. Elle vivra habituellement en présence de Dieu. Donc, il y a une progression. Vous pourrez la retrouver sur vos feuilles. Hein? La grâce mystique, on sort du monde, le vol, on est entraîné vers Dieu, et le mariage, on reste devant Dieu. C'est une progression. Saint Jean de la Croix a sa façon à lui de parler aussi. Il parle des faubourgs bruyants et des cachettes de l'esprit. Ça, il faudrait comprendre ce que c'est qu'un faubourg. On n'a pas de faubourg au pays. Il y a une ville au Canada qui a des faubourgs. C'est Québec. Le bourg, ça, c'est la ville qui est dans les murs. En France, il y en a en masse de ces villes-là. Hein? Le bourg, c'est ce qui est dans les murs. Au commencement, on faisait des palissades d'abord, puis après ça, on a bâti des murs de pierre, puis on voulait se défendre des ennemis. Hein? Alors, dans les murs, ben, on avait des petites rues étroites, comme à Québec, pas mal étroites. Ben, faut bien, pas faire des boulevards de 300 pieds de large, quand c'est dans des murs. Hein? Alors, on fait ça étroit, puis on serre là-dedans. Ça, c'est le bourg, la bourgade de Québec, on disait. Puis quand c'est devenu trop petit, ben, pour retirer les murs, on a fait des faubourgs. On a fait donc, si vous voulez, des coins, des rues nouvelles en dehors des murs. À Québec, par exemple, il y a deux faubourgs. Il y a le faubourg Saint-Jean, c'est sur les hauteurs. Et puis il y a le faubourg Saint-Roch, c'est en descendant vers la rivière Saint-Charles. Le premier en date, c'est celui d'en bas, Faubourg Saint-Roch,
Après ça, c'est Faubourg Saint-Jean qui continue vers Sainte-Foy. Hein? À Québec, c'est tellement curieux que les gens de la ville, là, souvent, surtout les anciens, ils diront, ben, cet après-midi, je vais aller faire un tour au Faubourg. Ça veut dire, je vais monter sur la rue Saint-Jean ou dans ce coin-là, là, magasiner par là, mais au Faubourg. Hein? Alors, voyez-vous, évidemment, le bourg est protégé. Il est dans des murs. Le faubourg n'est pas protégé. Il peut venir n'importe quoi, là. Les murs de Québec, autrefois, ça se barrait ce soir. On fermait les portes. On barrait les portes. J'ai vu au Vietnam, moi-même, chaque village était barré, fermé. Et n'importe qui, il n'y avait pas de voie d'auto là-dedans, c'était trop étroit pour ça. Si on voulait voir quelqu'un dans un village, il fallait sonner à la porte, comme au parloir d'une communauté. Puis il y avait une espèce de petite tour, là, puis quelqu'un venait, il disait, qu'est-ce que vous voulez? Bien, je veux voir telle personne. C'est bien, on va la faire venir. Le village était une communauté renfermée dans des murs, ou bien des rivières, hein, des arroyaux, des rivières. On s'est protégé, ça. Mais en dehors, là, on n'est pas protégé du tout. Alors, vous voyez Saint-Jean-de-la-Croix. Il dit, vous avez le bourg, là. Vous êtes avec le Seigneur, puis bien en paix, c'est profond. Et puis, ben, il y a les faubourgs, bruyants, où se trouvent toutes les histoires d'imagination, de rêverie, puis de passion, qui travaillent, et ainsi de suite. Hein? Alors, ce sont des profondeurs. Il y a des gens qui ne vont pas plus loin que leur imagination dedans. Ils restent dans les faubourgs, c'est le bruit, c'est la distraction, c'est toutes sortes de choses. Et sous l'influence, je parle d'action de Dieu, sous l'action de Dieu, ça peut être assez fort pour vous tirer plus en dedans, où vous n'entendrez plus de façon distrayante les bruits de l'imagination et du raisonnement. Saint Jean explique, Dieu est le centre de l'âme, l'amour est le poids qui jette l'âme en Dieu. Vous savez ce que c'est que le poids? Une attraction, hein? Qui tire la plupart des corps vers le centre de la terre. Si je lâche aller, ça n'ira pas en haut, hein? Ça va aller en bas, il y a un poids. Ça, c'est le poids des choses matérielles. Le poids du feu, qu'est-ce que c'est? Ça ne pèse pas comme ça, du feu. Le poids du feu, c'est en haut. Le poids, si vous le feu, si vous le lâchez, il monte. Ça, si vous le lâchez, il descend. Le poids de l'amour, c'est quoi? Hein? Hein? Qu'est-ce que c'est le poids de l'amour? Poids de l'amour? Ah, pour Dieu, oui, mais pour nous autres, là, hein? Ben non. C'est l'autre. Le poids d'amour pour un homme, ben, c'est sa femme. Pour une femme, c'est son mari. Évidemment, quand on arrive dans le surnaturel, là, c'est Dieu qui est le poids définitif de l'homme. Hein? Ici, c'est Dieu sûrement. Vous avez raison. Hein? Donc, si vous voulez, lorsque l'amour est le poids qui jette l'âme en Dieu. Lorsque l'amour a reçu tout son développement, il conquiert toute l'âme, il tire tout à Dieu. L'amour alors est rendu au centre de l'âme. C'est ça le progrès. Gagner le centre, c'est une étape. C'est devenir spirituel. Il y a des gens qui sont absolument en dehors de tout centre. Ils sont tout en dehors, toujours. Ils n'ont pas d'autre chose que ça, s'amuser, puis ainsi de suite. Il y en a d'autres qui ont réussi tout de même à entrer un petit peu dans leur intérieur, mais le vrai sens, ils ne connaissent pas. Puis il y en a d'autres, par l'action du Saint-Esprit, qui entrent davantage dans le centre d'eux-mêmes. Puis finalement, l'étape dont on parle ce soir, ben, il y en a qui vont très loin, jusqu'à une rencontre intime avec le Seigneur dans le centre. Hein. Donc gagner le centre, c'est devenir spirituel. Là, dans le centre,
l'amour continue de creuser des profondeurs successives qui sont le signe de sa qualité. Toute la technique de Saint Jean de la Croix est un dépassement vers l'intérieur. C'est toujours, puis c'est d'ailleurs le même mot que Sainte Thérèse, hein? Château intérieur. Un autre trait, je fais juste le nommer, on ne le développera pas tout de suite, même la prochaine fois non plus. C'est que l'amour qui nous est donné par le Seigneur, ce n'est pas seulement un amour qualifié par les profondeurs, mais c'est un amour purifiant et unifiant. Et cette affaire de purification, là, on va en parler d'une façon très spéciale au cours de la nuit de l'esprit, cours 46, 47 et 48. Ça s'en vient bientôt, là. Et pour le moment, on passe outre. Et la prochaine fois, nous verrons Dieu, infusion d'amour, source de lumière, infusion d'amour, source de formation à l'apostolat, et ainsi de suite. Bon, voilà, mes chers amis. C'est un petit peu fort ce soir, c'est une introduction, hein? Et quand on verra, comme on le verra bientôt, le détail, la description des états qu'on passe là-dedans, ben, ça sera plus concret, puis vous le saisirez peut-être davantage. Oui. C'est vraiment une âme mariale. On peut dire, il y a autant Sainte Vierge que le bon Dieu. C'est pas tout à fait vrai, mais on dirait, hein? À voir. À voir comment ça se passe. Quand on dit réaliser la présence divine, c'est réalisation au sens moderne. Ça veut dire se rendre compte, faire l'expérience, hein? S'apercevoir que, donc constater cette présence, l'enrichir de relations intimes et profondes. Par exemple, quelqu'un qui désire voir le Verbe, Saint-Augustin, par exemple, hein, Saint-Jean, qui désire voir le Verbe, il va lui parler au Verbe. Il va avoir, entre cette personne-là et le Verbe, il va avoir tout un dialogue, là, hein, « Oh, mon Verbe aimé !» Alors, ce sont des relations directes et vivantes, de contact direct et vivant. La réalisation se fait par étapes. Tableau des présences divines. À gauche, vous avez les quatre demeures. 4, 5, 6, 7. Alors, au quatrième demeure, présence intérieure d'une source vivante et profonde. Sainte Thérèse disait, venir à la source et y boiront. Et cette idée-là, ça se fait par des emprises ou des flots débordant sur les facultés. On fait allusion à la grâce de quiétude, une emprise divine sur la volonté et un flot débordant de suavité sur l'âme. Les noms, vous les avez à droite, grâce du recueillement infus ou encore grâce de quiétude, de contemplation des quatrièmes demeures ou même sommeil mystique qui appartient aussi aux quatrièmes demeures. Vous arrivez maintenant au cinquième demeure. Dieu présent, c'est la présence qu'on a, ça. Dieu est présent dans l'âme. Et ce sera la première entrevue, la grâce mystique, dans le noir. Ça s'appelle grâce d'union. Ou ça s'appelle grâce mystique d'union, ou union passive, c'est le nom. En sixième demeure, là, celle-là est la grande action de Dieu. C'est Dieu encore qui est présent dans l'âme. Et alors, il y a des appels, des visites, des absences qui augmentent la blessure du premier contact qu'on avait eu en cinquième demeure. Et puis, il y aura, vers la fin des sixièmes demeures, il y aura entrevue avec promesse.
Alors, les noms de tout ça, vous les avez à droite. La nuit, c'est cette suite d'appels, d'absence, de visites. Et puis, l'entrevue avec promesse sont les fiançailles. Cours 53. Septième demeure. La présence, là, qu'on peut constater, c'est Dieu ou la vision du bien-aimé. Là, il y a possession mutuelle. Et le nom, c'est mariage spirituel. Possession mutuelle de Dieu et de l'âme. Enfin, un autre trait de cette infusion d'amour. Je parle toujours, là, depuis le mois dernier, là, d'infusion d'amour dans les âmes sous l'action directe du Saint-Esprit. Et maintenant, je souligne un aspect dans cette infusion d'amour. Un amour qui va former l'apôtre parfait. Donc, il faut que ça tourne à l'apostolat. Spiritualité qui ne tourne pas à l'Église, je ne veux pas prêcher ça. Il faut que ça tourne à l'apostolat. En général, l'amour s'installe dans la volonté avant d'éclairer l'intelligence. Comme j'ai dit, c'est d'abord l'amour, et puis ça s'en ira dans l'intelligence. Hein? Il livre l'âme à Dieu parce qu'il a la volonté, la clé. Il livre l'âme à Dieu comme instrument de ses desseins, en même temps qu'il en fait un contemplatif qui le découvre. Donc le même amour va rendre le chrétien contemplatif et en même temps va le livrer aux desseins de Dieu, c'est-à-dire aux ambitions de Dieu. En fait, l'âme unie à Dieu, il ne s'en détache plus et l'accompagne où son poids de miséricorde l'entraîne. Tu sais, quand on aime quelqu'un, on le suit. Si une femme marie un homme qui déménage, déménage avec. Déménage avec, on le suit. S'il y a toute une entreprise et veut organiser, je ne sais pas quoi, un beau jardin, ben on va l'aider. On va faire ça à deux. Hein? On suit. Et ici, Dieu lui a ses ambitions, puis il y a ses œuvres. Et ses œuvres sont des œuvres de miséricorde. Mais si on est vraiment épousé, on a été épousé vraiment par Jésus ou par Dieu, on va le suivre. Or, où va-t-il, le bien-aimé? Il descend. Il s'incarne. Il s'en va rencontrer la misère. Il s'en va rejoindre les pécheurs, les pauvres, les malheureux. C'est là qu'il veut descendre. Mais si vraiment on est très unis à lui, on va le suivre. Et voyez-vous tout de suite, question d'apostolat. Au sixième demeure, il y a eu un gros chemin de fait, un grand cheminement, l'avancée. Les mêmes envahissements d'amour qui unissent l'âme à Dieu et font réaliser sa présence. En même temps, ces mêmes envahissements forment l'apôtre parfait, instrument de Dieu. Cette formation, non, c'est Dieu lui-même qui va former l'apôtre. Et comme toute spiritualité, quand on commence, on se débrouille tout seul. La première vocation, on l'a choisie. Hein? La deuxième, c'est Dieu qui l'a choisie à notre place. L'apostolat, c'est pareil. Quand on commence, on choisit un apostolat. On entre dans un mouvement pour aider, pour faire quelque chose, faire du bien. Ça, c'est normal. Mais quand on avance davantage et qu'on est sous l'action ou sous l'emprise du Saint-Esprit, c'est lui qui fait le travail, qui choisit à notre place et qui guide tout. Hein? Donc, cette formation peut comporter des grâces charismatiques, stigmate, transverbération, c'est rare, hein? Des Marthe Robin, là, puis des François d'Assise, il n'y en a pas tellement, hein? Mais ça peut arriver, et en même temps, ça repose toujours sur des emprises. C'est toujours Dieu qui, par son emprise ou par son action, forme l'apôtre parfait. Cette formation de l'apôtre, gardez bien ces pratiques, elle est faite d'abord de la découverte du Christ total. Plus le Christ se fait connaître,
comme chef d'une église. N'oublions pas l'église. Plus le Christ, et c'est pas authentique si on n'est pas avec l'église, on est à côté. Donc plus le Christ se fait connaître comme chef de l'église, mais plus on va découvrir ce Christ total et on va vouloir travailler pour la totalité de l'Église, le grand Christ, le Christ total ou le corps mystique. Donc, et ça, ce sont des grâces qui sont données par le Seigneur, découvrir le Christ total. Deuxièmement, il y a aussi des dons d'ardeur pour servir. Donc, ardeur de volonté pour servir l'Église et pour servir le Christ. Il y a aussi, tout ça, ça forme l'apôtre. Pour former l'apôtre, il y a la purification des facultés. Voyez-vous, assez souvent, un apôtre va gâcher son œuvre. Pourquoi? Parce que même à travers son apostolat, il va se laisser prendre par des attractions sensibles, sentimentales ou peut-être pire. Hein? Il va se laisser prendre. Pourquoi il n'est pas purifié? Or, quand arrive la grande action de Dieu, elle purifie les âmes, et en les purifiant, donc, elle les rend plus aptes au grand apostolat, à l'abri de toutes les séductions de tout genre. Et enfin, la formation de l'apôtre, elle est faite de travaux extérieurs, car le Seigneur, il nous donne de l'ouvrage. S'il veut nous former, il faut qu'il nous donne d'ouvrage. Hein? Quand vous voulez former quelqu'un, les femmes, par exemple, un travail de maison, une petite fille, par exemple, ben, lui donner de l'ouvrage, dites pas simplement de la théorie. Tu feras ci, tu feras ça. On dit, fais-le devant moi, puis on va faire à deux d'abord. Ainsi, le Seigneur fait tout ça. Donc, vous voyez, c'est la question d'infusion d'amour, et avec une prédominance de l'amour sur la connaissance est quelque chose qui devient très fort et qui aboutit à de magnifiques choses dans l'Église. Nous faisons la pause ici. Voilà. Ce qui vient maintenant est pas mal plus facile. C'est du concret maintenant. Les modes d'agir divin. On dit qu'il y a l'action de Dieu. C'est l'action, je répète, des trois personnes divines prises comme un seul principe d'action. Parce que c'est la nature divine qui est active. Alors, comme il n'y a qu'une nature dans les trois personnes, c'est la nature divine dans les trois personnes divines qui font la sanctification des âmes. Mais c'est convenu et c'est convenable d'attribuer ce travail des trois à la personne du Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs le langage de la Sainte Écriture. Alors, comment s'y prend-il quand il veut sanctifier les âmes? On a donné les choses sous forme d'analyse. Il infuse la lumière, il infuse l'amour, il infuse même un amour qui tourne en lumière. Et cette infusion-là, ça peut contribuer, et ça contribue vraiment à former des apôtres qui suivront le Seigneur parce qu'ils l'aiment, vivant d'amour et d'union, ils suivront le Maître partout où il ira. Mais il reste quand même une grande liberté dans les choses de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir en terminant. Les modes d'agir. Comment il s'y prend pour sanctifier les hommes. Ils ne mettent pas tous dans le même moule. Il s'occupe un peu des personnes différentes et dans chacune, il fait ce qu'il a à faire. Dieu reste libre dans son action. Il ne faut pas systématiser ni généraliser. Il ne faut pas penser que la sainteté, c'est toujours du pareil pour tout le monde. C'est la même sainteté
épanouissement complet de la grâce sanctifiante et des dons du baptême. Toujours ça, mais la manière de fleurir, la manière de s'épanouir n'est pas la même chez tout le monde. L'étude, alors, nous est profitable, et quoi qu'il ne faut pas tellement s'y attarder. On peut voir par l'étude des modèles que la diversité des modes, Dieu s'y prend de divers modes, différentes manières, ça peut nous montrer, d'une part, les ressources de la sagesse divine, il n'est pas à court, il y a toutes sortes de moyens, Seigneur. Et en même temps, l'unité dans l'action de Dieu, puisque ça va à la même sainteté, avec des avenues différentes. Et ça veut nous montrer aussi, l'étude nous apprend quelques lois de cette action. D'une part, comment ça marche l'action de Dieu, les lois de cette action, et la souplesse exigée dans l'âme fervente, la réponse qu'il faut apporter. Étudions, si vous voulez, trois exemples. Donc, on va les prendre dans le Carmel. Avoir beaucoup plus de temps, je pourrais vous faire une grande liste là, de plusieurs saints qu'on connaît, qu'on aime. Oh, Saint-François y passerait, Saint-Alphonse y passerait, puis beaucoup d'autres encore. Hein? On va prendre les saints du Carmel. Hein? Sainte Thérèse, Saint-Jean de la Croix et Thérèse de l'Enfant Jésus. Et tirons alors, à l'occasion de ce qui s'est passé chez eux, là, des leçons utiles. Thérèse d'Avila, quel chemin le Seigneur va lui donner? La tactique divine pour Thérèse d'Avila, il la conduit, il lui organise un itinéraire jalonné de faveurs. Les faveurs extraordinaires, ce sera l'objet du prochain cours. Cours 45, l'unique là-dedans. Important, mais assez d'un. On a assez d'un. Alors, pour Thérèse d'Avila, il y a donc des faveurs. On va voir ce que c'est. Il y a une vocation à l'action. C'est ça, Thérèse d'Avila, ça se résume à ça. À travers ça, beaucoup de contemplation. Mais ce qui nous frappe quand on lit sa vie par elle-même, c'est toutes les faveurs que le Seigneur lui donne. Voyez, par exemple, le tableau que vous voyez ici sur vos feuilles, là, se continue. Le crochet à droite, hein, toute la partie droite, avec une sorte de crochet étrange, là, ça se continue jusqu'à la page 6. Tout ça, c'est pour développer le mot faveur. Hein? Ça va? Faveur à gauche. En général, des appels, des visites. Et Thérèse va les distinguer, elle va leur donner des noms. Un éclair, dit-elle, un coup de tonnerre, dit-elle, un coup de sifflet, dit-elle, une étincelle du brasier de Dieu tombée dans l'âme. Elle parle de parfums divins. Ce sont des choses mystiques que Thérèse dit dans ses expressions. Mais surtout, les faveurs, on les a tout de suite après, les paroles. On en reparlera la prochaine fois spécifiquement. Directement. Qu'est-ce que c'est que ces paroles-là? Alors, soulignons ici des paroles qui obligent l'entendement, qui sont paroles et œuvres. Il faut dire qu'il y a trois sortes de paroles divines, là. Les paroles miraculeuses, j'entends. Hein? Il y a la parole successive. Il s'en écrit des livres et des livres et des livres de ça. Des livres, des livres, des livres, des livres. Des centaines de pages, 700 pages, 800 pages, 1500 pages, puis encore. Hein? Toujours supposer des paroles que le Seigneur a dites, ou la Sainte Vierge, dans la masse. Ce sont des paroles successives, ça. Et dans ces paroles successives-là, il y a deux choses. Il y a une inspiration divine, à supposer que c'est vrai. Hein? Et puis, il y a ensuite, il y a le détail des paroles qui sont faites par le cerveau humain. C'est une facilité que le Seigneur donne à quelqu'un, et avec cette facilité-là, les phrases viennent au bout de la plume, ça vient comme ça.
Ça s'appelle parole successive. Moitié inspiration divine, moitié travail du cerveau. Bon, passons là-dessus, la prochaine fois on verra mieux. Deuxièmement, il y a la parole formelle. Dans la parole formelle, c'est toujours bref, pas plus qu'une phrase, pas plus que deux, trois lignes. Oh, c'est gros ça même. Et ce sont des paroles formulées par un moyen surnaturel. Soit le Seigneur, soit la Sainte Vierge, quelqu'un, un ange peut-être, enfin, une parole qu'on peut, on peut répéter et qu'on peut écrire clairement. C'est ça qui a été dit. Prenez un exemple, Bernadette. C'est pas elle qui a inventé ça, je suis Immaculée Conception, certain. Hein? Elle n'a pas de temps, il a inventé une petite affaire, comme, une expression comme ça. Hein? Son catéchisme, elle n'a pas loin. Hein? Mais alors, la parole était tellement claire qu'elle a dit, il faut que je la répète mot à mot, je suis l'Immaculée Conception. Hein? Que soit la Immaculata Conception. Puis elle s'en allait, puis elle répétait ça, pas se tromper. Une parole formelle. Puis parmi les paroles formelles, il y a celle qu'on dit ici, là. Ça s'appelle parole substantielle. On y reverra la prochaine fois. Hein? Donc des paroles qui obligent l'entendement, ça oblige à comprendre. Qui sont paroles et œuvres. Elles sont marquées d'autorité, de calme, de force, de courage, d'assurance, de paix, de lumière. Thérèse en a eu beaucoup de ça. Et ça continue, continuez à droite encore les faveurs, hein? Des ravissements, ravissement des fiançailles. Elle a eu des visions. Intellectuel, imaginaire, j'ai dit tout à l'heure, je préfère le mot imaginatif dans notre contexte québécois, hein? Parce que si on dit imaginaire, c'est interprété autrement. Hein? Non, imaginatif. Blessure profonde, dit-elle. Elle a eu le mariage spirituel marqué par une vision imaginative très haute et un geste du Seigneur, remise d'un clou mystique, symbolique, et une parole substantielle en même temps. Après ça, il y avait chez elle des perceptions surnaturelles purement intellectuelles. Il y a eu beaucoup, beaucoup de faveurs spirituelles dans la vie de Thérèse d'Avila, et elle nous les raconte toutes, du moins, elle veut les raconter toutes. Bon, ça, c'est une partie de son cheminement. Son cheminement, je dis, c'est pas son cheminement, mais c'est un cheminement jalonné de faveurs. Hein? Où il y a beaucoup de faveurs sur la route. Ensuite, reprenez à gauche, le Seigneur veut pour elle une vocation à la grande action. Elle devient une femme de grande action. Elle fait partie de la galerie des plus grands fondateurs de toute l'histoire de l'Église. Avec Saint Bernard, Saint Benoît, c'est une grande, grande chose. 18 couvents dans quelques années, c'est formidable, hein? Ça, ça fait partie de sa vie aussi. Puis à travers ça, on ne l'a pas souligné, mais il y a toujours la contemplation. Pourquoi tout ça? C'est pour faire croître les désirs de son âme et pour augmenter son amour. Et faire croître et obtenir à l'âme une préparation plus active et plus intense à l'union parfaite. Voilà l'histoire, ou si vous voulez, le tableau, le portrait de Sainte Thérèse d'Avila au point de vue de la tactique divine. Saint Jean de la Croix, lui aussi, il rencontre beaucoup de faveurs spirituelles. Il l'était, il n'en parle pas. Mais on sait par quelques échappées dans sa vie, on les sait par sa vie. On sait par exemple que tout petit, il est tombé dans un étang, il allait se noyer, tout petit. Puis la Sainte Vierge est apparue au bord de l'étang, très belle, elle lui tendait la main, puis elle disait, viens mon petit, donne ta main mon petit. Puis il a trouvé la Sainte Vierge trop belle, il n'a pas voulu prendre la main. Pas capable, pas capable, c'est trop beau. Alors, elle a envoyé un ange. Il y a un monsieur qui est arrivé, qui a sorti l'enfant de l'eau, puis le monsieur, il y en avait plus de monsieur après. Hmm? C'était un ange. Hein? Alors, on sait que plus tard, là,
la Sainte Vierge l'a délivré d'une prison sordide où il était depuis 9 mois. On sait aussi qu'un jour, le Christ, dans sa chambre, crucifix, s'est animé puis lui a parlé. Et beaucoup d'autres choses. Il y a des sous-entendus, mais il ne nous raconte pas ses faveurs. Pourquoi Thérèse les racontait? Pourquoi Jean de la Croix ne les raconte pas? Deux vocations différentes. Il fallait tout de même, dans l'Église, quelqu'un qui aurait le charisme de Thérèse, un charisme très fort. L'Église avait besoin de spécialistes pour dire ces choses-là. Et puis elle avait besoin de grands spécialistes pour dire les questions de contemplation, chacun sa vocation, même s'ils sont dans la même communauté du Carmel. Hein? Saint Jean de la Croix, donc des faveurs qu'il t'ait, mais qu'on sait. Mais la grande voie, le grand chemin de Jean de la Croix, c'est la contemplation obscure, connue de Sainte Thérèse aussi. Mais Thérèse nous raconte plutôt autre chose. Alors Jean de la Croix, il y a ces mots à lui. Il parle de quiétude, de nuit paisible, le même mot que Sainte Thérèse. Il parle du langage de Dieu à l'âme, c'est l'action de Dieu, ça. Il parle du langage de pur esprit à esprit pur. Pur esprit, c'est Dieu, l'esprit pur, c'est l'âme purifiée, qui compare à un esprit pur. Il parle de silence profond, de profondeur de silence, de chemin sans trace comme la mer. Ça vient, puis c'est parti. Elle ne laisse pas de trace. Il parle d'onction très mystérieuse du Saint-Esprit. Il en parle souvent. Il fait toujours allusion à des états contemplatifs forts. Alors là, par la contemplation, regardez bien le jeu là, la logique de ça, par la contemplation obscure, c'est son moyen, son cheminement, l'âme, par ce moyen-là, se détache de toute créature. Il y a deux faces dans les œuvres de Saint Jean de la Croix. Hein? Il y a l'œuvre de Dieu, puis il y a la réponse de l'âme, surtout dans la montée du Carmel. Hein? C'est la réponse de l'âme, l'ascèse. Donc, par tout ça, un chemin de contemplation obscure, l'âme se détache de toute créature, reçoit des onctions très délicates du Saint-Esprit, avance beaucoup, portée dans les bras de Dieu, selon l'action de Dieu. Ce chemin, notez bien, était aussi connu de Thérèse d'Avila et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les trois étaient de très grands contemplatifs. Enfin, ce qui a marqué Thérèse d'Avila, c'est surtout les faveurs, ce qui marque le plus, ce qui frappe le plus, hein? Les faveurs et l'action. À travers ça, un fond de contemplation. Jean de la Croix, ce qui frappe le plus, c'est la contemplation obscure et l'appel au détachement. C'est très frappant. Hein? Et Thérèse de l'Enfant Jésus, la voici. Là, hein? Thérèse de l'Enfant Jésus, à l'oraison. Dieu la conduit par la contemplation sèche, sécheresse contemplative. Il l'instruit et il travaille en elle. Hors de l'oraison, il la fait passer par les travaux. Travaux ici, ça ne veut pas dire qu'elle s'en va travailler sur le marché du travail. Ça veut dire les épreuves. Les difficultés, dans le langage de ceci, du spirituel, les travaux, c'est les grandes épreuves, tout ce qu'on pense de difficile. On est environné de travaux, on passe à travers des travaux, et c'est ça que ça veut dire ici. Donc, les travaux, les souffrances et ses plus belles grâces. L'action de Dieu chez Thérèse de l'Enfant Jésus est continuelle. Un jour, il y aura bien une faveur un peu spéciale, la blessure d'amour, pendant qu'elle fait son chemin de croix seule dans la chapelle. Ça, c'est la grâce de la transverbération. Hein? La grâce de la transverbération, il en sera question dans les 6-7e demeures. Hein? C'est quoi? Hein? C'est cette histoire-là que certains saints ont éprouvé, un glaive qui leur perce leur cœur. Hein? Saint François d'Assise, des flèches sont venues sur lui et ont provoqué des plaies, des stigmates sur son corps.
Vous avez d'autres. Sainte Thérèse, l'enfant d'Avila, un ange est venu, petit ange est venu lui lancer au cœur un javelot. Et puis elle a été tellement, tellement frappée de ça. D'abord, c'était très douloureux. C'était plié en deux. Puis elle a lancé un de ses cris. Et quand on est allé, il y a 3 ans, à Avila, j'ai eu justement la chance de célébrer une messe avec mon groupe dans la chapelle de la Transverbération. Quand elle a reçu cette grâce-là, Thérèse d'Avila, elle était pliée en deux, elle a lâché un cri épouvantable. Et il y a une sœur qui est sortie de sa chambre et dit « Qu'est-ce que vous avez, mère? Qu'est-ce que vous avez? » Thérèse s'est ressaisie. Elle dit « Ma sœur, je vous en souhaite autant. Thérèse de l'enfant Jésus, elle, ça a été sous la forme d'un trait de feu. C'est comme un éclair qui a passé par la fenêtre et qui est allé la frapper en plein cœur. Elle aussi, elle a pensé mourir de douleur et en même temps d'amour. Tellement c'était fort. Ça s'appelle la grâce de la transverbération. Donc, il y a eu ça chez elle. Il y a eu la grande transformation pendant un acte de charité à Noël. Elle a appelé ça sa conversion. Imaginez, petite Thérèse qui s'est convertie. Hein? Mais oui, c'est-à-dire qu'elle a pris conscience de la vie spirituelle tout d'un coup. Là, c'est, je ne suis plus un enfant, je ne suis pas un bébé. Là, je pars, pour vrai. Elle a eu quelques grâces pendant son sommeil à l'oraison dès 7 ans. Enfin, passons, mais ce qui nous frappe surtout chez Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est l'oraison sèche. Contemplation, sécheresse contemplative. Elle a dit un jour à une petite sœur qui la félicitait, petite sœur qui marchait dans la cour, j'imagine vers la fin de l'après-midi, en dessous d'un escalier, ça faisait sombre un peu. Hein? Puis la petite sœur a dit, tout en passant, elle dit, « Mère, ça doit être beau, vous, quand vous priez le bon Dieu dans vos prières, là, ça doit être beau. Hein? » Thérèse a dit, « Ma sœur, voyez-vous le trou noir en dessous de l'escalier? » Ben, elle dit, « Mon oraison, c'est aussi noir que ça. » En fait, c'était pas agréable. Il y avait l'attrait, parce que le don de sagesse était là, très fort. Elle restait collée à Dieu, mais dans sa sécheresse. C'était sa voie principale et une vocation spéciale à la fin de sa vie. Donc, elle, c'est pas l'apostolat pendant sa vie, c'est l'apostolat pendant sa survie. Elle dit, là, je contemple sur la terre, mais dans l'éternité, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Ça, c'est très, très spécial. On n'a pas vu de cas pareil encore. Mais vous voyez, 3 âmes du Carmel qui sont connues. Les 2 premiers se sont connus intimement, Thérèse et Jean de la Croix. Et l'autre, elle a tellement lu les écrits de sa mère, Sainte Thérèse, et les écrits de Saint Jean de la Croix qu'elle connaissait très bien et qu'elle vivait profondément. Donc, la même famille, mais avec des nuances tellement différentes. Alors, évidemment, si on sort du Carmel et qu'on va faire un tour dans le monde, on va voir là aussi que Dieu n'est pas à court de moyens et que la sanctification peut prendre toutes sortes de formes. Hein? Ah, mais c'est toujours le fond, c'est toujours infusion de lumière et d'amour qui pousse ensuite à exercer des vocations ou des situations. Concluons. Dieu est amour. Répondons par l'amour en notre cadre propre de vie. La prochaine fois, nous verrons les faveurs extraordinaires. Qu'est-ce que c'est ça? Et ensuite, dans le cours suivant, 46, nous commencerons à analyser le cheminement des 6e demeure jusqu'aux fiançailles inclusivement. Ben voilà. La date, on a trouvé.